à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver comme tous les mois pour une vidéo présentation Bullet Journal. Et cette fois-ci, je vais vous présenter donc mon mois d'octobre qui est fait vraiment d'une façon très très simple, très minimaliste avec juste des petits stickers en forme de push-in. Donc voilà, il y a différents stickers. Donc voici ce qu'est le thème du mois. Donc je vais tout de suite vous présenter le matériel avant de vous présenter les nouvelles pages que j'ai réalisées. Donc j'ai utilisé des pages de stickers que sont de petits push-in, donc avec différentes positions, etc. Et voilà à peu près tout ce que j'ai utilisé sur mes planches. Donc j'ai utilisé un petit masking tape couleur un petit peu holographique assez fin pour certaines pages, voilà, puisque je me disais que ça irait bien avec, puisque ça passe vraiment partout cette couleur et il vient de chez Action. J'ai aussi utilisé comme d'habitude mon Unisigne Pen que j'aime beaucoup. J'ai également utilisé trois différents Pigma Micron, donc le 005, le 04 et aussi le 01. J'ai utilisé comme d'habitude mon Muji en 05. J'ai utilisé deux Tombow, donc le numéro 95 qui est un gris clair et aussi le numéro 757, donc qui est un nouveau que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, qui est entre le bordeaux et le rosé. J'ai utilisé donc un Crayola qui est à peu près de la même couleur et puis aussi un Staedtler en 03 et pour finir un autre Staedtler noir, cette fois-ci Pigment Liner en 1,2. Je vais passer donc à la présentation des pages, mais avant j'aimerais juste vous montrer une page que j'ai rajoutée. Donc il s'agit d'une page sur le voyage que j'ai eu la chance de faire en Belgique et aux Pays-Bas cet été. Voilà, je suis allée à Amsterdam et puis à Bruges. Donc voilà, j'ai juste fait une petite page où je racontais un petit peu les petites journées que j'ai passées avec quelques petites photos. Enfin voilà, je vais pas vous la détailler plus, mais en gros j'ai fait une petite page souvenir dans ce bullet journal. Et maintenant donc je vais vous présenter mon mois d'octobre. Pour la gauche on a le calendrier mensuel comme d'habitude que je fais sous forme linéaire, puisque c'est vraiment la façon que je préfère, je trouve que c'est très très lisible comme ça. Donc voilà, j'ai tenté des petites écritures donc au Tombow, au Crayola, etc. Et donc les couleurs restent dans le bordeaux rosé. On a aussi sur la page de droite donc le mois d'octobre qui est très très simple. On a juste un petit push-in dans un avion et sinon le mois d'octobre écrit avec des petits jeux d'ombre faits au Tombow gris mais qui ne ressortent pas à la caméra, j'en suis désolée. Sur la page d'après, on arrive comme d'habitude sur cette page-ci qui me sert vraiment tout au long du mois, donc avec les objectifs du mois, le suivi des followers, les séries que je regarde, les livres que je lis, ce qui va se passer ce mois-ci, le mois d'après, etc. Et sur la page d'à côté, on a le slip tracker et donc vous pouvez remarquer un petit peu partout sur cette page des petits push-in différents donc qui ont en fait un thème. Par exemple, à côté des livres, j'ai mis un push-in qui lisait, à côté des séries, j'ai mis un push-in avec un ordinateur. Pour le slip tracker, j'ai mis un push-in en train de dormir. Enfin voilà, j'ai essayé vraiment de rester dans un thème pour certaines pages. Ensuite, quand on tourne, on arrive donc sur la page de droite au mood tracker, donc avec des petites pattes de chat, voilà, parce que j'avais pas trop d'idées et je me suis dit que push-in étant un chat, j'allais faire des pattes de chat. Et puis sur la page de gauche, on a donc mon tracker d'habitude. Donc cette fois-ci, il y a 10 habitudes et puis j'ai remis quelques petits push-in avec d'autres petits stickers qui étaient aussi sur les planches, voilà, donc des petites étoiles. Et puis on commence à avoir ici le premier bout de masking tape holographique que vous allez retrouver de façon récurrente dans la suite des pages. Premier semainier se présente comme ceci, donc vous savez que j'adore cette présentation du semainier. Donc voilà, j'ai mis un gros push-in en train de manger un donut à côté d'un petit masking tape encore holographique, la petite to-do habituelle et puis donc 7 jours de la semaine. Donc là je sais qu'il y en a 6 mais en fait il y a tout simplement le week-end ici donc qui prend les 2 jours en même temps. Pour le deuxième semainier, donc j'en ai fait un sur une seule page avec cette fois-ci des push-in avec de la glace. Donc pareil, les deux petits cornet qu'on retrouve ici était aussi dans la planche de stickers. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est une forme de semainier que j'adore faire et donc j'ai refait sensiblement la même chose sur la page d'à côté, sauf que cette fois-ci j'ai mis un chat en train de boire un petit café
et j'ai écrit au-dessus le jeu de mots qui est assez connu, surtout sur Pinterest et sur Instagram, 4 Pushino. On a donc des petits bouts holographiques et puis un Pushin par jour, voilà, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire ça. J'ai essayé un petit peu de varier les différents Pushin et puis j'ai mis au-dessus une petite to-do, une partie note, les situations du mois, les vacances, etc. Un petit peu en fait comme à chaque page. Et puis sur la dernière page, donc au niveau du 31, on a un petit push-in en momie puisque c'est Halloween. Donc comme il y avait ça sur la planche de stickers, je me suis dit que j'allais le mettre là parce que c'était l'occasion. Puis sinon, à côté ici, en dessous du semainier que j'aime vraiment beaucoup aussi faire, j'ai mis un petit push-in licorne et puis un autre petit juste ici. Et puis voilà, une petite to-do comme d'habitude, encore du masking tape holographique. Et puis bah voilà, c'est la dernière page de ce mois-ci. Et voilà tout le monde, donc c'est la fin de cette vidéo. Alors je suis désolée, elle était assez courte, mais comme vous l'avez vu, j'ai tellement fait dans la simplicité que je n'ai pas besoin de plus détailler. Mais en tout cas, j'espère que ce thème de ce mois-ci vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver mes comptes Instagram qui sont en barre d'infos, ainsi que mon Pinterest. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous retrouve très prochainement pour une autre. Bye.